petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement dans un état grippal avancé qui fait que je ne me sépare plus de mon plaid et j'ai une tête totalement de déterré. Mais à part ça, tout va bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis d'un abonné qui s'appelle Romain qui me suit déjà depuis un bon bout de temps et il a décidé de me faire un super petit swap de Noël pour fêter aussi mes 300 000 abonnés et m'a écrit une petite lettre. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Il a également été accompagné de sa petite nièce Lucie qui m'a écrit un petit mot et qui m'a fait de jolis petits dessins. Coucou des vovos, je m'appelle Lucie, j'ai 11 ans, tu es ma youtubeuse préférée, tu es belle et drôle, je t'adore. J'aime bien quand tu joues à Roblox et aux Sims 4. J'ai préparé le colis avec mon parrain Romain, je te fais des gros bisous Lucie. Et ensuite la lettre de Romain. Cher des vovos, voici un deuxième swap en espérant qu'il te plaise autant que le précédent. Ma petite nièce de 11 ans, Lucie, s'est jointe à moi pour ce colis et te fait un joli dessin. Bravo pour tes 300 000 abonnés, tu le mérites amplement. J'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer un jour. Tu sais déjà qu'on t'adore et qu'on te soutient à 300%. Je te fais plein de gros bisous, t'es la meilleure, Romain, Mathieu et Lucie. Ensuite, j'ai le petit menu ici, très bien fait avec des jolies couleurs. Et là, c'est le moment préféré, l'unboxing. Menu. Petit 1, protection décorative, petit indice Harley Quinn. Protection décorative. HQ, je sais que c'est Harley Quinn, mais protection décorative, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous arrivez à deviner avant que j'ouvre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on fera des pronostics parce que là... Ah ! Elle est à l'envers. C'est une housse de coussin, c'est excellent. J'aurais pas dit protection moi, j'aurais dit housse. Yes, elle est trop belle. Poussin ! Elle est trop trop belle. Bon bah, une petite Harley Quinn en plus dans la collection. Merci. Petit 2. Un petit compagnon tout mignon. Ça c'est une peluche ça. Ça c'est pour faire dodo avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est comme bête ? Allez, je lance... C'est une licorne ou un chat. La fille super originale. Je crois que je vois des sabots. C'est une petite licorne. Oh, elle est trop chou. Eh, je suis forte ou pas? Elle est trop mignonne. Toute douce avec des gros yeux. Elle est de toutes les couleurs. Petite queue rose là. Elle est trop mignonne. Salut toi. Tu vas dormir avec moi cette nuit. Oui, oui. Bon. Il faut lui trouver un prénom, hein, comme à chaque fois que nous avons un nouvel animal dans la maison. Il va falloir te trouver un prénom. Déjà, garçon ou fille. Et ensuite, un prénom. Je compte sur vous. On va lui trouver un petit nom et puis on fera des petites photos toutes les deux. Petit 3. Se porte principalement en été. Se porte en été. Un t-shirt. Une jupe. Un maillot de bain. Un chapeau. Là, c'est très dur, hein. Je suis pas aidée au niveau des indices. Hein. Oh, excellent! C'est un t-shirt! Je crois que c'est un dab. Je crois que c'est totalement une licorne qui dab. Énorme! Mais il est trop mignon! Je crois que celui-là, je vais l'emmener au ski quand je vais repartir. Il est trop beau! Itatila pampela. Qui a un t-shirt? Je crois que c'est ma cousine, ma petite cousine, qui a aussi cette petite licorne qui dab là. Je suis quasiment sûre qu'elle a le même. Petit 4. Une très belle décoration et peut-être le début d'une nouvelle collection. D'accord. Une décoration. Ok. Donc collection, ça veut dire qu'il y en a plusieurs comme ça. Ça a l'air d'être fragile. Hein. Qu'est-ce que c'est? Il y a du bleu. Il y a du jaune, il y a un socle. Oh oh! Waouh! Alice. Petite Alice! Alice au pays des merveilles. Elle est lourde, hein, purée. Elle est super lourde. Alice, tu vas pas tomber, hein, tu me promets. Elle est trop belle. Donc je pense qu'il doit y avoir plusieurs petites. Plusieurs filles comme ça. Plusieurs princesses. Alors je vais essayer de la mettre bien sur son socle. Alice glisse au pays des merveilles. Je vous la montre. Eh bien écoutez, elle va rejoindre ma collection de figurines. Je vais la poser sur mon meuble derrière. Elle a des grands yeux de manga. Elle fait un petit peu manga. Hein. Petit 5.
Une copine de plus. Ah. Est-ce que ça sentira pas la pop, ça? Ça a la forme. Une copine. Une Harley Quinn? Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, Game of Thrones. Ouh. Yes. Je ne l'ai pas. La classe. Daenerys Targaryen. Eh ben non, je ne l'ai pas. Elle est belle. Eh ben, on va l'ouvrir tout de suite. Par contre, il y a du scotch partout, là. Hein. Vous l'avez... Elle risquait pas de s'ouvrir pendant le... Il y a du sparadrap, quoi. Tadam. Elle est très très belle. Je sais pas si vous voyez là-haut, là, il y a le petit coin, ici, Game of Thrones. Et j'ai déjà 2 ou 3 Daenerys. Et donc, celle-là, je ne l'avais pas. Avec sa belle robe blanche. Elle a pas de bouche, la pauvre. On va la rajouter avec ses copines après. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de pop. Je m'étais dit, je vais me calmer un peu. Mais bon, on peut pas résister à une Daenerys Targaryen. On peut pas. À une Khaleesi. Petit 6. Une idée de vidéo. Une idée de vidéo. Prise de rendez-vous et rédiger des lettres. C'est un stylo. C'est pour écrire plein de choses. Ça, je devine. Oh, bébé. Oh, j'adore. Oh, qu'il est chou. Bon, je suis un bébé, hein. Je gagate. Regardez-moi ce petit chou, là. J'ai l'impression qu'elle fait de la lumière, en plus. Attendez, on va lui enlever sa languette. Oh, elle a fait un truc, là. Attendez. Oh. Ah oui, carrément. Attention, vous êtes prêts? C'est un bruit de cheval. C'est un style. Voilà, donc quand j'aurai du courrier à écrire, je prendrai bien évidemment mon stylo licorne pour signer tout un tas de papiers, pour trouver de nouvelles idées de vidéos ou pour vous écrire des petites lettres. Petit 7. Rangement à bijoux, à toi de voir ce que tu vas en faire. Ceci est une boîte. Oh oh. Alors j'adore. C'est exactement mon style. Avec un petit Bambi comme ça. Et oui, je vois carrément, alors peut-être mon maquillage, je sais pas. Vu que c'est transparent comme ça, peut-être plus du maquillage, mais c'est trop trop beau. Oh, en bois, avec un petit côté blanc, et ici un petit Bambi. Je suis in love. Et là-dedans, il y en a encore, quoi. Quand il y en a plus, il y en a encore. Elle est trop belle. Je vais la mettre dans ma chambre. Petit 8 pour briller, et utile pour le numéro 7. D'accord ? Pour briller. Attention, je vais briller, les gens. Waouh. Des bijoux. Chacha miaou. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, je pense que c'est un petit collier. C'est un butterfly. C'est une aile de papillon qui brille. Un petit collier, voilà. Très très brillant, très très girly. Pour des soirées... pleine de paillettes. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est avec du rouge. J'ai l'impression qu'il y a tout un ensemble, là. Ça rigole plus, là. Alors, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles, comme ça. Alors là, c'est vraiment la fête, hein. Là, c'est les boucles d'oreilles de princesse avec le petit bracelet de princesse. Nous sommes dans du 100% brillant, 100% pailleté. Et enfin, de bonnes odeurs. C'est quoi des bonnes odeurs? Alors, ça pourrait être une petite bougie. J'ai pas l'impression, là, quand je touche, j'ai pas l'impression que c'est une bougie. Ah bah, des petites bougies. Ça, j'adore. J'ai des porte-bougies, en plus, en forme de reine. Il y a mon chat qui est en train d'attaquer la peluche, là. C'est pas pour toi, Khaleesi. Ça, c'est la pomme. Il y en a à la pomme et à la fraise. C'est quoi cette espèce de gros moumoune là? C'est quoi ça? Elle m'a pas laissé dormir cette nuit. Elle est venue se coller à moi, j'avais de la fièvre, j'ai tout fait. Il y avait un gros truc comme ça sur moi là. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la vidéo? On dit... Laisse une papate bleue! Elle est pas d'accord. Elle a dit non. Pas pour moi aujourd'hui. Eh ben écoutez, j'ai été vraiment gâtée. Un énorme merci parce que... Tous ces petits cadeaux, ça fait plaisir, je me sens déjà moins malade. Je vais pouvoir aller ranger tout ça.
En tout cas, énorme bisous à vous trois. Gros bisous à Mathieu, à Lucie et à Romain. Plein plein de cœur, plein plein d'amour. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !